Allô, bonjour, je vais parler du prince Harry, le duc de Sussex. On va parler de sa soirée au Wildchild. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que le duc de Sussex serait présent de 8 au Wildchild. C'est l'association qui le parraine et une association qui s'occupe des personnes, des enfants plutôt, ayant des difficultés, c'est-à-dire des problèmes de santé graves, ce qui soutient aussi les parents de ceux-ci. Donc tous les ans, ils ont ce qu'ils appellent une remise de prix, les Wildchild Awards. Ce sont des prix qui sont remis à ces enfants-là qui ont montré un courage extraordinaire. Et le prince Harry, en tant que patron de cette association-là depuis plus de 15 ans, se devait d'être présent. L'année dernière, malheureusement, il n'avait pas été possible de faire la cérémonie vu que la reine était décédée. Bon, la cérémonie avait eu lieu, seulement que le prince Harry n'était pas présent. Du coup, il s'est excusé de n'avoir pas été là. L'année dernière, il en a profité pour rendre hommage à sa grand-mère en disant qu'il n'était pas présent à cette réception à cause de la reine qui est décédée et que la reine les regarde d'en haut et est heureuse de les voir ensemble. Je trouve que c'est une très belle façon de lui rendre hommage, hein, sans que ça ne crée de la polémique, parce que bien sûr tous les journaux et les tabloïds n'attendaient que ça. Ils se demandaient comment le prince Harry allait introduire le sujet de sa grand-mère, sans que ça ne soit disant vous l'avez dit au reste de la famille royale, hein, parce qu'eux ils n'attendent que ça. Et ça a été une façon intelligente pour lui d'introduire sa grand-mère. Donc lui et son équipe qui a travaillé sur le discours ont fait un job fabuleux en le faisant de façon discrète, en donnant pas l'occasion à ses trolls et haters de faire un commentaire ou de ruiner tout en rendant ça dramatique. Donc le prince était là, il était heureux, il était enjoué. Il est toujours comme ça, le prince Harry, notamment quand il doit rendre service auprès de sa communauté, auprès des enfants, auprès de cette association. Il se rend compte qu'il a eu une très grande chance en naissant dans la famille royale, malgré les difficultés qu'il a eues, hein, découlant de son statut, et qu'il veut partager ses chances, son bonheur à ses enfants et vraiment soutenir les familles de ceux-ci. Parce que vraiment, il n'est pas facile, déjà financièrement et moralement, d'être là tout le temps auprès de son enfant malade. Quand vous le voyez malade, ça fend le cœur. Donc voilà, le duc de Sussex a été là pour les soutenir. Il était enjoué, il a vu des familles, la soirée. Meghan Markle n'était pas là, c'est un choix voulu. Et ça s'est très bien passé. Donc j'ai trouvé le prince Harry très beau, très humble. Et aussi très heureux d'être présent. Vraiment, quand il fait ce travail-là de soutien auprès des associations, il le fait de tout cœur. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.